Moi, je suis né à Saint-Étienne. J'ai commencé à étudier la flûte et le violon dès l'âge de 6 ans. Puis, j'ai été admis à Strasbourg en flûte traversa classique à la Haute École des Arts du Rhin. J'ai monté un dossier pour partir en Erasmus à Montréal, où je suis depuis 3 ans et j'étudie aujourd'hui le jazz à la Schulich School of Music de McGill. C'est ma mère, moi, qui m'a poussé, ma sœur et moi, à faire de la musique. Et au final, je la remercie pour ça. Ouais. Elle s'est mise en arrêt de travail pendant 2 ans pour s'occuper de nous. Et ensuite, elle est devenue auxiliaire de vie scolaire. Donc, mon père l'a aidée en donnant une pension pour qu'on puisse être inscrit au conservatoire chaque année. Et lui aussi n'a pas eu la vie facile, quoi. C'est deux personnes qui s'aimaient, qui sont séparées. Mais j'étais proche avec lui grâce aux arts, en fait. Et le jazz, j'ai découvert dans la voiture quand on allait chez lui, en fait. Et donc, comme j'avais une technique bien solide grâce au classique, j'ai pu me mettre à l'improvisation plus rapidement. Moi, ce qui me séduit dans le jazz, c'est le fait que tout va se jouer sur le moment, sur scène. Je me suis créé une nouvelle famille à Montréal en jazz. Et c'est que des gens que j'ai rencontrés sur la scène, en fait. Je travaille beaucoup, j'ai 2 emplois. C'est du temps que je pourrais passer à travailler ou à jouer avec des gens. L'aide de la Fondation, c'est pour pouvoir terminer mes études à Montréal et pouvoir continuer à faire ce que j'aime. La vocation, c'est un moteur, en fait, qui me permet de me garder dans le droit chemin, dans mon chemin qui est la musique.